Et ben ça s'est super bien passé, j'étais un peu frustré après les qualifs parce que j'étais pas vraiment à l'aise dans ma grimpe, voilà, j'étais pas super bien dans les voies, mais bon, le résultat était quand même cool. J'ai topé la première voie, mais dans le début je trouvais que je grimpais pas super bien, j'avais un peu de marge en résil, donc ça l'a fait, mais voilà, je savais que je pouvais grimper mieux, donc j'étais quand même content. Et dans la voie 2 j'ai une petite erreur. On va dire que je chauffe bien les mêmes, mais j'étais pas super bien dans ma grimpe. Après, bon, je vais pas me plaindre du résultat parce qu'il était déjà pas mal, mais j'aurais espéré un peu mieux, quoi. Et la demi, bon, je suis parti. Franchement, j'avais pas de pression, j'avais rien à perdre. Et puis voilà, il y avait du monde qui poussait derrière et j'étais super content de ma grimpe et j'ai mis un très bon run, donc c'est vraiment cool. Les qualifs bien, j'ai toujours un peu plus de tension dans la première voie, mais je l'ai bien géré, je me suis quand même bien battue. Et la deuxième, trop bien, j'ai grimpé vraiment comme je savais faire, donc je sens que tout ça revient. Et je suis hyper contente de grimper à mon niveau, en tout cas là, sur ce début de compétition. Bah là, je suis hyper contente, je sens vraiment que c'est de mieux en mieux. C'est la troisième Coupe du Monde de DIF et bah, du coup, ça y est, là, je passe en finale enfin. J'étais dans les top 10 sur les deux dernières, à souvent un cheveu. Donc là, je suis contente, ça paye. Et j'ai bien géré cette demi-finale qui n'était pas facile puisque je savais un petit peu qu'il fallait sortir la voie. Et du coup, je suis hyper contente.